Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du mois de fin juin, dans le fond, qui remplace ou qui rapproche le Conseil. On rapproche en fait le Conseil du mois de juillet pour libérer un peu tout le monde là, pour les vacances estivales. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil. Comme vous savez, on traverse encore une canicule cette fois-ci, déjà notre deuxième, je pense, de la saison. Je pense que les changements climatiques, ceux qui n'y croient pas vont commencer à y croire. Alors, je vous invite tous et toutes de profiter de nos jeux d'eau et des installations municipales qui sont sont tous accessibles présentement à la ville. Alors, on a fait des petites réparations au printemps, mais là, maintenant, tout est en fonction, puis c'est important de se rafraîchir et de profiter, malgré tout, malgré la chaleur, de profiter de l'extérieur. Ce soir, on est accompagné, évidemment, de notre directeur d'arrondissement, M. Julien Lauzon. Bonsoir. De notre greffier, M. Mario Girbeau. Bonsoir. Girbeau. De Mme Annick Deschênes, directrice des services administratifs. Bonsoir. L'unique Diane Vallée, conseillère en planification. Bonsoir. M. Marc Rouleau, directeur à la direction du développement du territoire et des études techniques, le TTT. Bonsoir. M. Jean-François Mathieu, pour la première fois, une première à l'arrondissement, directeur des travaux publics par intérim. Alors, bienvenue, Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Robert, je n'ai pas là aujourd'hui, d'où la raison de la présence de M. Mathieu. Mme Marlène Gagnon, directrice des sports, loisirs, culture et développement social. Et M. Dubois, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous ce soir. Alors, nos élus présents, alors on va commencer à ma gauche, normalement dans la salle du conseil, M. Sterling Downey. Bonsoir tout le monde. Mme Marie-André Mauger. Bonsoir tout le monde, bien content d'être parmi vous. M. Luc Didegagnon. Bonsoir. M. Pierre Lheureux. Bonsoir. Et Mme Véronique Tremblay. Bonsoir. Et comme vous le savez, notre collègue Marie-Josée Parent est toujours près de son petit nouveau-né, alors qui va très bien en passant. Alors, avant de débuter les autres annonces pour ce mois-ci, je demanderai un moment de recueillement. Et ce moment de recueillement, cette fois-ci, je le dédierai, dans le fond, à tout. Parce que moi, en ce moment, j'ai beaucoup de collègues à l'arrondissement qui vivent des épreuves différentes, mais qui sont tous aussi souffrants. Alors, ce moment de recueillement, je l'offre à tous ceux et celles qui doivent traverser une épreuve qu'ils n'ont pas choisie et que la vie leur apporte. Mais juste pour dire que nous sommes là avec eux et derrière eux. Merci tout le monde. Comme je disais, tous et chacun, on traverse des moments, des fois pas faciles dans la vie. Ce soir, je remercie ma collègue Marie-André Mauger d'être présente parmi nous. Le mois dernier, elle n'était pas présente parce qu'elle était au chevet de sa mère. Malheureusement, sa mère nous a quittés dernièrement, mais Marie-André tenait à être présente avec nous ce soir. Alors, c'est tout en ton honneur d'être là ce soir, malgré, j'imagine, les événements qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Alors, Marie-André, je t'offre, au nom de moi-même et du conseil d'arrondissement, nos plus sincères condoléances. Alors, dans les annonces de ce mois-ci, il y a des belles annonces. Par exemple, toutefois, le 14 juin dernier, lors du conseil de ville de Montréal, on a officiellement changé le nom du parc Elgar pour le parc d'Annanganou. Alors, pour moi, c'était une grande fierté. C'était une promesse aussi qu'on avait fait à la famille et nous avions discuté aussi avec la famille de l'endroit. Pourquoi le parc Elgar? Mais le parc Elgar, en fait, c'est à proximité de la maison. Le centre Elgar a été dessiné par M. Annanganou. M. Annanganou a développé l'île des Sœurs, dans le fond, sa création, la voie dans différents immeubles de l'île des Sœurs, mais non seulement l'île des Sœurs, mais sur l'ensemble du territoire de Montréal, mais aussi à l'international. M. Annanganou a été un architecte prolifique, a marqué l'architecture au Québec et a été un grand Québécois, un grand Canadien et un fier Montréalais. Alors, pour honorer sa pensée, je suis très heureux qu'on puisse aujourd'hui dire qu'il y a un lieu où on pourra se souvenir
de M. Dallan Ganou, qui était si gentil et si présent aussi avec nous, même dans les dernières années. Dans les autres nouvelles, le quai 5160, qui a une obtention d'accréditation en éco-responsabilité. La Maison de la culture a alors reçu du Conseil québécois des événements éco-responsables cette accréditation. Alors, c'est tout en l'honneur aussi de l'équipe qui a travaillé à faire valoir et aussi inculquer ces valeurs d'éco-responsabilité pour le quai 5160, mais aussi dans nos autres installations à l'arrondissement. On en est très fiers, même au niveau des festivals, quand on va en avoir, là, vous allez le revoir, mais là, 2 ans déjà, lors des événements, on avait aussi des façons de faire qui étaient éco-responsables, dont le recyclage, le compostage et le déchet. Aussi, dans la saveur d'été, alors saveur d'été, ça rime avec plaisir d'été. Alors, comme vous savez, on n'a pas le droit de manger à la plage et on demande, entre autres, la collaboration de tout le monde. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir une petite fringale au courant de la journée. Alors, on vous invite tous à visiter le kiosque Les Saveurs d'été qui est installé présentement à proximité, dans le fond, derrière l'auditorium, à proximité de la plage, et qui vous offriront un menu léger, mais santé aussi, et vous permettra de vous régaler tout en profitant de l'été et de la plage. Dans les autres annonces, excusez, parce que mes feux ne sont pas dans l'ordre. OK. Alors, je vais y aller avec le... Aujourd'hui, on va déposer le rapport du maire au point 10.04. Alors, la situation de l'arrondissement reste sensiblement la même d'année en année, malgré qu'il y a des coupeurs. Il y a quand même une gestion rigoureuse et j'en remercie les équipes à l'administration, mais aussi mes collègues élus d'assumer les décisions, des fois qui ne sont pas toujours faciles, de couper à certains endroits, de faire des choix, mais tout en respectant le budget et les finances publiques. Dans le fond, c'est notre devoir de respecter le pouvoir de payer des contribuables, mais surtout de s'assurer de donner les services à l'ensemble de la population. Et encore cette année, nous allons réussir à boucler le budget et surtout avoir des finances saines. Alors moi, je vais quitter en novembre. Je pense que j'en suis très fier de savoir que la suite pourra continuer, mais que la gestion municipale est là. Puis surtout qu'on a une superbe équipe qui prend les choses en main et qui assure aussi l'ensemble des élus avec une gestion rigoureuse. Alors, je profite de l'occasion pour remercier Annick qui est là, qui passe au moins 5 heures par année sur le budget. Alors, quand je dis 5 heures, c'est probablement 5 heures par jour sur 365 jours. Alors, merci beaucoup à Annick et à toute ton équipe pour l'investissement de temps et d'implication dans ce dossier. Dans les autres dossiers, un instant, parce que j'ai comme des pages doubles. Je m'excuse, hein, je suis désolé. Écoutez, ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais moi, je vais rajouter ce mois-ci, 1er juillet. Alors, oui, Fête du Canada, mais Fête du Canada, cette année, avec une saveur, puis je vous dirais une teneur un peu spéciale, un peu triste, avec les découvertes dans le fond, des cercueils, des enfants qui ont été décédés dans les orphelinats un peu partout à travers le Canada. C'est une page très triste de notre histoire canadienne. Je pense qu'il faudra aller au fond de cette question. Et pour moi, ça reste inacceptable. Cette année, si on veut fêter le Canada, je pense que c'est le temps d'avoir une introspection et une grande réflexion sur notre passé, mais aussi sur le futur et quelle place que nous voulons donner à l'ensemble de la population, dont les Premières Nations qui étaient là bien avant nous, mais qui ont aussi tracé le chemin et nous ont largement aidés pour s'implanter aussi au fil des années. Alors, bonne fête à tous les Canadiens. Et aussi, la Fête du Canada au Québec rime aussi avec déménagement. Je vais demander votre collaboration le 1er juillet, encore une fois. Oui, on déménage, c'est des défis, mais ce n'est pas parce que vous partez que vos déchets vont vous suivre nécessairement. Alors, s'il vous plaît, respectez les heures de collecte et évitons de laisser les encombrants un peu partout. Je vous dis, toutes les équipes travaillent très, très, très fort dans les jours qui suivent parce qu'on se retrouve avec des dépôts sauvages un peu partout. Et les gens, ben, dans le fond, il y a d'autres gens qui restent et c'est eux qui doivent vivre avec ça pendant quelques jours parce que les gens ont laissé derrière eux du matériel. Mais le pire, ils laissent des fois derrière eux des animaux. S'il vous plaît, allez vers les services qui sont offerts, la SPCA, et surtout ne laissez jamais ou n'abandonnez jamais un animal de compagnie à la maison. Alors, ceci met fin à nos petites nouvelles pour ce mois-ci. Alors, c'était un peu court, mais on avait l'autre conseil il y a déjà à peine 3 semaines. Alors, M. Greffier,
Oui, M. le maire. Donc, on enchaînera avec le point 10.02 de l'ordre du jour, qui est l'adoption, en fait, de l'ordre du jour de ce soir, de la réunion de ce soir. Parfait. Alors, ça nous prend un proposeur, M. Downey. Je propose. Et ensuite, appuyé par M. Lheureux. Appuyé. Alors, c'est noté. M. Graffier. On enchaînera donc avec le point 10.03 de l'ordre du jour, qui est en fait l'approbation du procès-verbal de la dernière séance ordinaire du Conseil qui a eu lieu le 1er juin dernier. Alors, c'est proposé par Mme Mauger. Mme Mauger n'était pas là. Ben non, c'est vrai, j'ai dit tantôt qu'elle était absente, désolé. Alors, je propose. M. Sterling, propose. Toujours là, le cœur du grand. Je seconde. Et secondé par Mme Tremblay, j'allais le dire. M. Greffier, donc, on enchaîne avec un point qui s'insère. Donc, vous en avez fait glisser mot, M. le maire. Donc, en fait, c'est le dépôt de votre rapport sur la situation financière de l'arrondissement pour l'exercice financier 2020. Donc, le point consiste à prendre acte de votre rapport et aussi à le décréter, en fait, sa publication dans un journal qui est diffusé sur le territoire. Absolument. Et comme à chaque année, au moins entre 10 et 15 000 personnes qui iront sur le site de l'arrondissement pour aller lire ce rapport du maire. Alors, on en est toujours très, très, très fiers. Alors, un proposeur, M. Lheureux? Oui, je propose. Oui, et secondé par Mme Mauger? Je l'appuie. C'est noté. On enchaîne donc avec le point 10.05 de l'ordre du jour, qui est en fait les communications des conseillers au public. Alors, je commence par M. Downey. Merci, M. le maire. Bien, donc, si vous me permettez, M. le maire, vous avez souligné deux affaires vraiment importantes au début du conseil, mais pour nos citoyens qui écoutent en anglais, j'aimerais juste peut-être répéter quelques de vos mots en anglais. Donc, si les résidents me permettent. With Canada Day coming up currently and the discussion of celebrations and celebrating our country, and in light of what has been discovered once again with over another 750 bodies of children in a residential school, unmarked grave, I think this year as Canadians, as Montrealers, as citizens, as world citizens, we have a responsibility to rethink what the privileges that we have mean, what cost did they come at, and to what people, what was taken from other people in order for us to have the rights and the privileges that we have today, the land that we have, that we exploit, that we live on. And it's a very sad time. For many, many, many years, our First Nations brothers and sisters knew through stories, through generations of their families being told about what happened in residential schools. Now it is becoming almost impossible to ignore or to deny. I'm hoping that the powers that be, that have the power to help with the reconciliation process, do the right thing and acknowledge these atrocities for what they are and how they affected people. And for the witnesses and survivors that are living among us today that went through those systems, my heart goes out to you and your families and your peoples. That should have never happened. It should never happen again. And hopefully these lessons will be something that our children and future generations will learn from and hopefully be able to be better than we were and better than our ancestors were and do what's right and respectful. On another note, la maire, vous avez bien parlé du 1er juillet au niveau du déménagement et vous avez 100% raison et je suis content que vous l'avez mentionné. The mayor mentioned that moving day, July 1st coming up, please, 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 if you have a domestic animal and you are not able to bring your animal, whether it's a cat or a dog or any animal for that matter, with you to your new apartment, to your new home, please do the responsible and humane thing by contacting an organization such as the SPCA or any other group, Animex, or maybe the there's a Refuge des Chats pour Verdun, if you have a cat. There are organizations and groups of people out there who will help you with your animal to make sure that your animal is adopted into a loving and caring home, to reduce euthanization of animals and to reduce
the strain on the errant cat population, errant dogs. So please do the right thing if you can, and make take a, you know, 5 minutes, make the phone call necessary, and make sure that these animals, êtres vivants are taken care of and not just left somewhere. So those are my my only two things for today. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire. Puis je voulais aussi donner mes condoléances à mon collègue Marie-André Mauger pour la perte de sa mère. C'est pas facile, mais nous sommes là avec vous. Et on sait c'est quoi, fait que courage. Merci. Oui, alors justement, Marie-André, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos bons mots. Effectivement, donc je me suis absentée du conseil d'arrondissement le 1er juin. C'était une première absence en presque 8 ans parce que ma mère entrait aux soins palliatifs cette journée-là. Et puis, elle est décédée le 25 juin. Donc, j'aurais eu quand même plusieurs journées en juin pour boucler ma boucle avec ma mère, qui était quand même en fin de vie, presque 81 ans. Et dans ce deuil-là, les sépultures anonymes de pensionnaires qu'on découvre me fait réaliser, en fait, l'ampleur du drame que vit encore aujourd'hui toutes les communautés autochtones. C'est vraiment un drame, en tout cas, j'ai un sentiment de gêne et de honte là, de penser qu'on a fait ça il n'y a pas très longtemps dans notre pays. En tout cas, on est vraiment dû pour un bon, vrai processus de réconciliation, je pense. Et sur cette note-là, je voulais vous parler d'un processus de consultation qu'on a amorcé en arrondissement dans le courant du mois de juin avec plusieurs partenaires sur une démarche de consultation publique en agriculture urbaine. Un sujet pendant la pandémie qui a vraiment occupé une plus grande place, donc de réaliser l'importance de l'autonomie alimentaire et de la pratique de l'agriculture urbaine dans nos communautés, que ce soit dans la sphère privée, communautaire, collective ou commerciale. Donc, notre consultation à Verdun va mener à l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière à Verdun. Et donc, on est vraiment au tout début de la consultation. On est à l'étape de recueillir les idées, les commentaires. Tout est sur la plateforme Réalisons Montréal. Donc, on trouve facilement dans un moteur de recherche Réalisons Montréal. Et puis, toutes les étapes, les objectifs de la consultation sont expliqués. On va vous demander qu'est-ce que vous appréciez à Verdun en lien avec l'agriculture urbaine ou l'alimentation, quel projet vous aimeriez voir germer. Et qu'est-ce qui vous inspire dans le concept de communauté nourricière? Alors, on espère vous entendre. Il va y avoir plus tard, à la rentrée, une soirée de consultation sur notre démarche de planification. Et puis, je voudrais aussi vous dire que il y a 2 semaines, pour vous donner mes intentions en vue des élections municipales qui vont se tenir le 7 novembre prochain, j'ai annoncé que je briguerai la mairie de Verdun. Donc, je ne solliciterai pas un troisième mandat comme conseillère d'arrondissement, mais je solliciterai le poste de mairesse d'arrondissement parce que j'ai envie de continuer de servir dans le... poursuivre mon engagement dans le service public. Puis j'ai envie d'aller plus à fond jouer un plus grand rôle au sein de l'arrondissement. Alors, je vous souhaite un bel été. C'est notre dernière séance du conseil, notre séance régulière avant le 7 septembre. Alors, je vous remercie. Alors, Marie-André, je me demandais justement si tu étais pour en parler parce que je voulais te laisser le dire sur ce point. Mais publiquement, je m'engage aussi à te donner un petit cours pour le Facebook 101 comme mairesse si jamais tu es élu. Et surtout, ne jamais oublier qu'à minuit tapant, tu dois faire les bonnes fêtes à l'ensemble des citoyens. Et comme je t'avais écrit, je suis prête à te laisser ma plaque d'immatriculation marquée Verdun à toute personne qui occupera mon poste par après. Parce que c'est vraiment embêtant quand tu as ça sur ton char. Alors, je te laisse ça. Alors, Luc Gagnon, sur là-dessus. 3 petits commentaires. Je vais commencer par vous souhaiter un bel été. C'est bien parti. On a 4 semaines d'avance sur la période régulière.
N'oubliez pas d'aller faire vacciner votre deuxième dose. Personnellement, j'ai été au centre de l'art Saint-Laurent sans rendez-vous à la salle deux fois et 45 minutes d'une porte d'entrée à la porte de sortie les deux fois. C'est très efficace, ça roule bien, puis c'est du personnel compétent. Puis en dernier, ben j'espère qu'on va gagner la Coupe Stanley. Merci. J'espère aussi, Luc. Alors, pour passer la parole justement et faire le lien avec la Coupe Stanley, Pierre Lheureux, notre grand analyste, notre Ron Fournier dans le fond verdunois, qui m'avait dit il y a déjà quelques semaines de ça, AGF, Montréal ne passera pas à Toronto, moi je te le dis, puis là, il regarde son pool de hockey. Alors, ben, il s'est finalement très trompé dans ce cas-ci. Alors, ta prédiction pour cette série finale de la Coupe Stanley. Alors, mon Pierre, à toi la parole. Oui, tu sais ce que j'en pense. J'ai peu espoir. J'ai pas de foi, moi, malheureusement. Un petit mot pour revenir sur la situation financière de l'arrondissement, telle que décrite dans le mot du maire. Jean-François l'a décrit assez bien. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de plusieurs années pour répondre à des exigences budgétaires très difficiles. Il y a eu des exercices de réduction du budget, réduction de la main-d'œuvre. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en arrondissement, mais je pense que depuis quelques années, on n'arrive pas à vraiment atteindre l'équilibre. On puise toujours dans le surplus. Et puis, je pense que là, on arrive dans un mur. Puis moi, mon message s'adresse à tous les ceux qui pensent qui comptent faire campagne cet automne, c'est que je pense que, peu importe le parti, on va devoir se pencher sérieusement sur l'organisation financière de la Ville de Montréal et le partage des ressources financières. Puis il y a un problème qui en fait est porté essentiellement par les arrondissements chroniques et puis qui pénalise les arrondissements. C'est fort, puis j'espère qu'on va corriger ça parce que je vais vous avouer, puis mon message est clair, là, on est tanné en arrondissement de faire des coupures et porter l'odieux des coupures budgétaires. Que d'autres parties vont pouvoir prendre le relais et puis régler ce problème-là. L'autre question également, on va adopter également une déclaration visant à souligner le centième anniversaire du Coquelicot ainsi que l'héritage d'après-guerre de Verdun. Je trouve que c'est une déclaration importante en marquant dans l'histoire canadienne, montréalaise, verdunoise. Mais à chaque année, j'ai toujours un peu de certaines réserves parce que je trouve que ces déclarations-là, souvent, font abstraction ou occulte la réalité des guerres. On présente la guerre comme un moment héroïque pour une nation. Et on parle de service des citoyens, ceux qui ont participé à la guerre. Puis je pense moi, je suis content le jour où est-ce qu'on va pouvoir faire mention de toutes les victimes des guerres qui n'ont pas voulu participer à la guerre, qui n'ont pas voulu servir la nation, qui n'ont pas fait preuve d'héroïsme, qui ont été victimes. Et sans oublier, la Première Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier, la plupart des victimes, ce sont des conscrits, ce sont des jeunes hommes de 17 à 21 ans qu'on oblige à se battre à la guerre. Donc, il n'y a pas d'héroïsme là. On les oblige et parfois, on va les exécuter parce qu'ils refusent de se présenter au front. Donc, il y a comme cette réalité-là qu'on doit dire. Puis également, il y a des femmes et des familles qui vont souffrir beaucoup de l'absence de leurs enfants, leurs fils et leurs maris lors de la Première Guerre mondiale. Surtout à Verdun, il y a beaucoup d'hommes qui sont morts. Et puis, ça a un impact majeur sur la communauté verdunoise. Puis, on peut en parler, puis les impacts qui vont durer des années. Donc, un jour, j'aimerais qu'on puisse inclure dans ces déclarations-là une pareille. Finalement, l'impact des guerres, surtout la Première Guerre mondiale. Puis, finalement, pour revenir à ce qui a été dit tantôt là, sur les sépultures des jeunes enfants autochtones qu'on a retrouvés en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on connaît ça. T'sais. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne dans mes cours. Donc, moi, je suis toujours étonné de voir la surprise des gens. Mais c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, on le réalise, une prise de conscience qui était tout à fait nécessaire. Là. Mais parfois, ça prend du temps avant que tout d'un coup, ça prend naturellement des chocs comme ceux-là pour amener la population à prendre conscience des failles qui existent dans notre histoire. Donc, ça prend. Aussi va à Marie-André la semaine passée. Et puis, toutes mes sympathies à Marie-André. Merci. Merci, Pierre. Alors, je voudrais juste retourner un petit
5 secondes à Sterling qui voudrait rajouter un mot sur la vaccination. Oui, juste pour rappeler à les gens, parce qu'on avait oublié de la mentionner dans nos prises de parole, mais le 3-4 juillet, de 11h à 17h, au parc Arthur-Terrien, il y aurait une clinique sans rendez-vous pour les premiers vaccins, pour les gens qui n'ont pas eu leur premier vaccin. Fait que ça va être gratuit, tout le monde pourrait y aller, ça va être « easy peasy » comme on dit en anglais, fait que ça vaut la peine d'y aller. Moi, je vais sûrement me pointer là le 3 ou le 4 pour me faire vacciner parce que je ne l'ai pas encore eu. Mais j'encourage les gens, puis en cas de puits, ça va être rapporté. Mais le 3-4 juillet, de 11 à 17 heures, au parc Arthur-Terrien, proche de la piscine, en fait. Alors, merci de préciser, Stoning. Moi, j'allais m'y rendre avec mon chat pour le faire castrer, mais je m'étais trompé totalement. Alors, Véronique. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, quand on passe en dernier, c'est difficile de ne pas répéter ce que tout le monde a dit. Mes sympathies, Marie-André, puis félicitations pour ta candidature à la mairie. Comme je t'ai dit l'autre jour, on est peut-être des opposés ou des opposés politiques, mais humainement, on n'est pas des opposés. Alors voilà. Je voulais vous parler du Quai 5160, qui a une nouvelle devise, équipe culture avec vous sur le terrain. Alors, si on ne peut pas retourner à nos activités culturelles, habituel, la culture ne prend pas de vacances quand même cet été à Verdun et vous trouverez des interventions culturelles sur le territoire de façon spontanée, régulièrement. Et vous pouvez vous rendre aussi au quai parce qu'il y a une très belle exposition dehors. Je veux aussi vous dire qu'on a les budgets participatifs, vous pouvez encore voter pour les projets qui ont été présentés par 3 équipes de Verdun. Je vous encourage à le faire. Vous avez jusqu'au 11 juillet, si ma mémoire est bonne. Alors, je vous invite à le faire. On a 3 très, très beaux projets à Verdun qui méritent qu'on fasse l'effort d'aller voter. Je veux aussi vous parler du réaménagement du parc Dan Anganou. Alors, il y aura un concours de design orchestré par le Bureau de design de la Ville de Montréal et vous pouvez aller sur Réalisons Montréal pour aller donner vos opinions, vos recommandations, vos commentaires sur comment vous aimeriez, à quoi vous aimeriez qu'on pense. Donc, on ne tiendra pas le crayon des designers ou le bouton d'ordinateur des designers, mais si on veut des aires de pique-nique ou si on veut des jeux avec des billots de bois très naturels sur du paillis, peu importe, je ne veux pas vous suggérer les idées, mais s'il y a des choses que vous aimeriez voir incluses absolument dans le réaménagement du parc Dan Anganou, je vous encourage à le faire, à nous faire connaître vos bonnes idées, vos bonnes suggestions. Et puis ensuite, mon dernier message sera de vous souhaiter de belles vacances. C'est l'été, on sait que l'été, ça ne dure pas si longtemps au Québec. On a des belles berges à Verdun, on a une plage, on a des piscines, on a des jets d'eau, des jeux d'eau. Alors, je vous encourage à profiter de la vie, profiter de la rue piétonne. Il y aura des activités tout l'été et puis il y a de la vie. Alors, profitez pendant que la pandémie nous offre un creux de vague parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Faites-vous vacciner. J'ai eu mes 2 vaccins moi aussi, puis on se sent mieux. Je connais des gens qui ont été vaccinés qui sont malades, mais ils sont beaucoup moins malades que ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors voilà, bon été, profitez de la vie. Merci. Alors, merci Véronique. Alors, pour quelqu'un qui passe en dernier et qui se sentait plutôt limité, je trouve que tu étais plutôt très complémentaire dans tes propos. C'est tout en ton honneur. Et Véronique, je m'engage d'ici la fin du mandat. Il reste 3 conseils, je crois, de mémoire. 4 conseils de mémoire. Je vais commencer par toi d'ici la fin de l'année. Alors, tu n'as pas tant à faire. Je vais te laisser préséance pour la suite des choses. Alors, pour les vaccins, comme tu disais, il y en a qui n'en ont pas en tout. Qui sont malades pareil, alors, par nature. Alors, ça ne veut rien dire le vaccin, mais je pense que c'est important d'avoir un vaccin. On le fait pour soi avant tout, mais on le fait aussi pour son voisin, sa mère, ses amis. Alors, je pense que c'est un devoir collectif qu'on a tous à faire pour le bien-être de notre société. Monsieur le maire, un autre petit 20 secondes, on oublie souvent… Non, là, tu exagères.
On oublie souvent la maison Nivard de Saint-Didier, qui est le musée de Verdun, qui est sur le bord de la berge. Je vous invite à aller y faire un tour cet été. C'est intéressant. Vous allez apprendre des choses. Ce n'est pas une visite qui est nécessairement longue, mais je pense que c'est intéressant d'aller y faire un tour. Merci. Voilà. Très bon point encore une fois. Sur ce, je vais laisser la parole à notre greffier. Alors, Super Mario, à vous la parole. Oui, alors donc, Monsieur le maire, ça nous amène au point 10.06. On est toujours dans les sujets d'ouverture et c'est la période de questions. Alors, je crois qu'on sautait ce point, hein, ce mois-ci, c'est ça? Non? OK, alors, allez-y. Oui, donc, on a un total de 22 questions, donc reçues par écrit. Et la première provient de M. Stéphane Bourbonnais concernant la protection des berges. Alors, M. Bourbonnais nous dit ceci, j'habite à l'île des Sœurs, j'habite la pyramide à l'île des Sœurs, et je vois qu'une personne s'est procurée une embarcation motorisée de type Zodiac et qu'elle le stationne sur la rive et le cadenasse à un arbre en bordure de l'eau. Je croyais qu'il y avait un désir de protection des rives et des berges à Verdun. D'autres personnes pourraient vouloir limiter et on se retrouverait bientôt avec une marina improvisée sans licence. Quel est le règlement à cet effet? Alors, très bonne question. Merci de souligner. Alors, le fait de poser votre question aussi porte à l'attention des services de l'arrondissement. Alors, moi, je n'étais pas au courant de cette situation-là. Il faut savoir que la portion eau relève du fédéral du Canada. Mais la portion berge, c'est Québec, mais plutôt l'arrondissement. Alors, évidemment, on n'a pas le droit de s'amarrer et de s'attacher à un arbre, entre autres. Et non, ce n'est pas autorisé. Si la personne laissait son zodiaque au large, ancré, mais là, on ne pourrait pas rien faire. Mais le fait qu'il soit sur la berge, là, on pourra faire une intervention. De même qu'on a eu aussi quelqu'un, là, j'ai aucune idée c'est qui, là, mais qui avait fait un peu de Zodiac aussi, pas de Zodiac, mais de Mistral un peu sur le lac La Courcière, ce qui était vraiment pas une bonne idée, et un pédalo. Alors, je l'invite aussi à le récupérer aux travaux publics à l'arrondissement pour son pédalo. Alors, moyennant évidemment une contravention. Alors, sur ce, je pense que c'est important de respecter les règlements, de s'amuser sur l'eau, mais surtout d'être prudent. Alors, merci pour votre question. Alors, la question suivante, la deuxième question, est celle de Mme Sophie-Hélène Schumacher. Elle va comme suit. Donc, étant donné que nous sommes en zone verte et avec tout ce que nous avons appris sur la contagion de la COVID, je me demandais s'il va y avoir des couloirs à la piscine Terrien. De plus, je me demandais si la Ville a l'intention de mettre des couloirs pour les adultes afin qu'ils puissent faire des longueurs, à titre d'exemple, à des heures spécifiques. Pour la deuxième question, et s'il y a refus, merci de m'appeler pour m'expliquer. L'an passé, vous nous avez dit qu'il n'y avait plus de possibilité de noyade en laissant des couloirs ou en utilisant la partie profonde. Toutefois, j'ai eu vent cet hiver que plusieurs arrondissements avaient proposé des créneaux pour adultes seulement en partie profonde. Nous avons tous les mêmes directives de la santé publique. Merci de m'expliquer. Alors, merci pour votre question, mais je dois me rabattre sur notre experte sur la question, Mme Marlène Gagnon. Ça me fait plaisir. Écoutez, effectivement, étant donné qu'on est toujours en mode COVID, même si on est en zone verte, on est quand même limité dans le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans nos piscines. On a quand même augmenté, hein, les gens ont pu se rendre compte qu'on a augmenté le nombre de baigneurs, donc c'est beaucoup plus agréable, c'est 45 minutes comme vous le savez. Si on met des corridors dans chacune des piscines, c'est sûr qu'on va être obligé de réduire le nombre de baigneurs admissibles. Donc, ce n'est pas possible. Cependant, ce qu'on a fait, étant donné que le natatorium est ouvert, chose qu'on n'avait pas l'année dernière, donc vous avez des corridors de natation où est-ce que vous pouvez aller nager là. C'est ça qu'on a fait comme pour pallier un petit peu. On n'est pas du tout dans une zone profonde, on est dans une zone peu profonde, fait que tout le monde peut y aller à ce moment-là. Puis, il n'y a pas de cours non plus d'aquafond, rien, ce n'est pas encore possible. Au niveau de la santé publique. Voilà. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'enchaînerai avec la troisième question qui est celle de Mme Sabrina Constant. Donc, ça concerne en fait la marina de Verdun et c'est une question en langue anglaise. Donc, ça va comme ceci. The Verdun Marina has remained inaccessible to those holding a berth despite its posted opening date of May 1st.
there seems to be no responsible party at the number posted. So the question is, how can we get a clear communication of the goings-on at this valuable local resource? What can we expect from the 2022 season? Oh. Monsieur le maire, je ne sais pas s'il nous entend. Bon, M. le maire a peut-être un problème. Je laisserai peut-être Jean-François Mathieu faire un petit court résumé de la situation des quais qu'on vit actuellement. Oui, alors, ben bonjour. L'installation des quais s'est faite au début du mois de juin. Puis, j'arrive le marina là, juste avant le conseil. Là. On a 90 places de disponibles sur 102. On a 6 places qui ne sont pas installées dues au le niveau très bas du fleuve. Et puis, le reste, bien, on s'est fait voler des petits bouts de quais. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'installer 6 endroits. Donc, en gros, là, quand le fleuve va monter, on va être capable d'avoir 96 places sur 102 de disponibles. Et les quais, là, il y a 90 actuellement de disponibles. Merci pour votre réponse. Je suis désolé. Alors, j'avais un petit problème. J'ai une petite fissure dans mon écran de iPad et je n'arrivais pas à réactiver soit la caméra ou le micro. Alors, c'est un petit peu dérangeant, mais là, j'ai réussi. Alors, merci, M. Mathieu. Alors, à vous la parole, M. Mario. Oui, donc, une quatrième question qui provient de Mme Edith Bondoc concernant le phénomène des Airbnb, à vrai dire. Donc, la question va comme suit. Quelles sont les interventions entreprises par la ville lorsqu'un propriétaire utilise son triplex comme Airbnb? Celui-ci, les trois étages distincts, sera administré par une agence. Selon nos informations, le propriétaire n'habitera pas les lieux. Le bloc est présentement en rénovation. Alors, la loi est claire là-dessus. Je vais laisser l'aspect complémentaire de la réponse à M. Marcoulot. Mais la loi est claire là-dessus. Le logement du propriétaire peut être utilisé en Airbnb. On ne peut pas faire une business, entre guillemets, exemple, acheter un triplex et le louer sur sa grandeur. Alors, je vous inviterai à dire si vous en voyez. Il y en a beaucoup à Montréal. Il y en a un petit peu moins depuis la pandémie, mais il reste que ça reste un fléau. Ça réduit énormément le parc locatif, d'une part. Mais sachez aussi que l'application de la loi se fait par le ministère du Revenu. Alors, M. Rouleau, peut-être en complémentaire? N'hésitez pas, si vous avez des plaintes, à nous les donner. Nos inspecteurs sillonnent les rues pour justement trouver ces logements-là. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bien. Donc, M. le maire, j'enchaînerai avec la cinquième question qui est celle de Mme Nada Njam. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Donc, ça concerne en fait l'île des Sœurs. Donc, ça concerne la plate-bande à l'entrée de l'île des Sœurs ainsi que les paniers de fleurs. La question va comme suit. Est-ce que la plate-bande de fleurs et l'abeille ou autres ornements à l'entrée de l'île des Sœurs ainsi que des et des bacs à fleurs sur le boulevard de l'île des Sœurs et autres rues seront fournis et, si oui, quand? Pourquoi nous a-t-on oublié et pourquoi doit-on rappeler les services élémentaires qui ont déjà été fournis ailleurs dans l'arrondissement? Alors, Nada, merci beaucoup pour ta question. Comme tu l'as peut-être vu et que j'ai partagé sur la page du Forum Île des Sœurs, c'est des activités au niveau budgétaire qui coûtaient excessivement cher. Je parle ici, entre autres, du 3D, là, les abeilles qu'on faisait, qui ont suivi, en fait, les mosaïcultures qu'on avait eues à Montréal. Ça a été coupé déjà, ça doit faire, de mémoire, 4-5 ans minimum. Mais pour d'autres aménagements, l'année passée, il faut savoir qu'on n'avait pas fait de plantation parce qu'on n'avait pas nos auxiliaires à la ville étant coupés à cause de la pandémie. Mais cette année, il y a des plantations qui sont faites. Normalement, ce qui devrait être mis a déjà été installé. Mais oui, d'une année à l'autre, on peut varier le décor ou changer l'utilisation, entre autres, des pots de fleurs, comme vous parliez. Mais les pots de fleurs, je me souviens que ça date déjà de quelques années aussi. Alors, merci pour votre question, mais n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous aviez d'autres questions sur le sujet. Merci.
Et donc, Monsieur le maire, on enchaînerait avec une sixième question qui est celle de Mme Valérie Rioux du regroupement des usagers du transport adapté. Et ça concerne en fait les alternatives au détour d'un circuit d'autobus. Donc, ça va comme ceci. Donc, l'arrondissement du plateau Mont-Royal a mis sur pied une alternative au détour des bus en raison de la piétonnisation de l'avenue Mont-Royal qui consiste à offrir le service d'Evaco, Coop, excusez-moi, transport par voiture à toutes les personnes ayant des limitations fonctionnelles et les personnes aînées qui habitent près de l'avenue et qui souhaitent s'y rendre. Ce service peut être réservé à l'avance comme il peut être réservé spontanément et il est gratuit. Avez-vous pensé avoir recours à un service de ce genre pour pallier au détour des bus qui passent sur Wellington? Mais écoutez, alors, je prends votre question en note. Je vais aussi la partager avec l'Association de la Terre commerciale. Déjà, on a des pousse-pousse. Là, si vous, le pousse-pousse étant un petit vélo avec des places en arrière pour déplacer les gens, justement, qui pourraient avoir des difficultés de mobilité sur la rue Wellington n'ayant pas accès à leur auto sur le site même. Mais pour ce qui est du transport adapté ou des options faites, je vais m'informer premièrement sur la formule qui est en place là-bas, mais je vais aussi le partager avec l'SDC. C'est une belle suggestion. Merci beaucoup de nous éclairer sur le sujet. Merci. Alors, une septième question cette fois-ci, qui est celle de M. John McPeak. Ça concerne l'eau potable. C'est une question en anglais. Ça va comme ceci. Donc, we were thinking that dome drinking water fountains would be nice on Wellington Street. Not ideal for COVID, but hopefully next year. Also, real hot days having one or two hydrants open. Et M. McPeak conclut comme suit, à la Bronx. Alors, pour répondre à la question, M. Darley va pouvoir vous donner l'ensemble de la réponse sur cette question. Merci. Merci, M. le maire. Justement, j'ai eu la chance de parler avec M. Gerbeau avant. Donc, M. McPeak, thank you for your question. It would be nice to have drinking fountains along Wellington Street. I'm not sure if right now, if public health allows us to have drinking fountains where people can actually share drinking water. However, maybe refillable water stations would have been interesting along Wellington Street. That would have to be discussed and looked at along with the SDC Wellington to see if that's possible. Right now, I don't think it's going to happen in the works for the moment. So we'll have to see. If you want to, I can contact you and we can discuss it further. And as for the reference of the Bronx, back in the 1950s, 60s, and 70s, I remember seeing pictures of the old fire hydrants being open so the children could play in the water on extremely hot days. But I don't think we're there anymore, unfortunately. I think we're lucky enough to have splash pads and parks with water games for children now that are functioning, which are much more convenient for families and children and much safer, I think. So I'll be happy to get in touch with you if you'd like, and we can talk about the drinking fountains. But for the moment, I don't think that they're part of the plan. Thank you. Merci beaucoup, M. Danny. J'aurais pas mieux pu dire que ça. Alors, vous avez été très complet. M. Gerbeau. Une huitième question qui est celle de M. Stephen Ricciardi concernant le festival de jazz. Donc, M. Ricciardi nous demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un effort pour avoir un site satellite du festival de jazz sur Wellington comme en 2019, ainsi que d'autres petits festivals musicaux ou artistiques? Alors, je vous rassure là-dessus sur votre question. Sachez que c'est vraiment la pandémie qui nous a coupé les ailes. On avait une collaboration avec Spectra qui a été plutôt même très impressionné de la collaboration. Bien, je remercie les services là-dessus. L'expertise locale qu'on a au niveau des festivités par l'expérience, entre autres, de Panache et Boiron. Le festival de jazz a beaucoup aimé, voulait revenir et va revenir, je vous rassure. Mais pandémie oblige, ça n'a pas pu être réalisable cette année comme l'année dernière. Mais oui, on aurait des festivals, mais aussi Verdun est maintenant reconnu comme un pôle culturel extérieur, dans le fond, je ne sais pas comment dire, là, du centre-ville. Alors, avec le quai 5160, la rue Wellington et aussi la plage et l'auditorium, on a vraiment tout ce qu'il faut pour attirer des spectacles à grand ou petit déploiement, mais surtout attirer aussi des gens de tout horizon qui viennent découvrir ou passer un excellent moment dans l'arrondissement de Verdun.
Excellent, Monsieur le maire. Donc, on poursuivrait avec la question numéro 9, qui est celle de Monsieur Christophe Tahan, qui concerne les passages piétons. Alors, il nous dit ceci, la peinture au sol des passages piétons est-elle planifiée cet été? C'est un support visuel important pour la sécurité des piétons traversant une chaussée. Plusieurs intersections des grandes artères de Verdun sont devenues dangereuses malgré la présence de panneaux de signalisation. Alors, il nous dit, soyez original, mettez de la couleur. Alors, merci pour votre question. Il faut savoir que le marquage au sol n'est pas nécessairement fait par Verdun, mais c'est la collaboration de l'arrondissement Rosemont. À l'époque, je demandais la collaboration de M. Downey, mais j'ai cessé de faire ça depuis quelques années suite à un certain scandale. Alors, je n'ose plus le faire. Alors, on se rabousse l'arrondissement Rosemont. C'est un petit signe entre nous qu'on trouve drôle maintenant. Alors, c'est ça que je pourrais vous dire. Mais pour ce qui est des couleurs, effectivement, vous, comme d'autres citoyens, m'ont demandé justement de mettre de la couleur. Puis, moi, je m'en vais, mais je souhaite, Marie-André qui est candidate, il y aura d'autres candidats aussi, je souhaite ardemment que le milieu, l'arrondissement soit un milieu de vie aussi festif, qui amène de la couleur. On n'a pas assez de couleurs dans nos villes. Et je dirais à l'ensemble de mes services présentement, mais les arrondissements, osez, allez-y, faites la folie, parce que c'est important pour la qualité de vie des gens. Puis allez-y, lâchez-vous là, c'est important. Merci. Monsieur le maire, en complément d'information, on a actuellement aussi à l'arrondissement un contrat de marquage. Notre entrepreneur a fait le marquage de plusieurs artères. Il a jusqu'au 31 août pour marquer ce qui reste à compléter là, pour la saison estivale avant d'être en défaut avec nous. Donc, ces activités-là suivent leur cours actuellement. Évidemment, les enjeux météo, les vents, etc., il y a des conditions bien particulières pour faire le marquage, mais c'est en cours actuellement. L'entrepreneur doit le faire là, au courant du mois de juillet. Donc, M. Julien, je ne peux pas y aller le faire comme le maire lui avait proposé d'abord? Non, je ne le conseille pas. Ah, OK. OK, OK, je ne le ferai pas d'abord. Mais elle était très bonne. Alors, merci. Julien, je ne sais pas. Non, tu n'étais pas là. Je te raconterai. Voilà, donc, sur ces commentaires, enchaînons avec la question 10, qui est celle de M. Daniel Manceau de la PIDS concernant le parc La Coursière. Et ça va comme ceci. Donc, lors de la séance d'information sur le parc La Coursière, vous avez mentionné que vous appuieriez une démarche légale visant à faire modifier le statut du lac La Coursière. Quels seraient les bénéfices d'un tel changement de statut et quelles sont les actions que l'arrondissement mettrait de l'avant une fois le statut modifié, actions qu'elle ne peut faire présentement? Alors, M. Marceau, effectivement, merci de vous poser votre question. Justement, ce soir, juste avant le conseil, j'ai passé 1h30 au téléphone avec un citoyen de l'île, M. Bernard Côté, pour ne pas le nommer, pour parler aussi de cette démarche légale pour le lac La Coursière. Comme je lui disais, je vais toujours, parce que moi, personnellement, je vais parler pour moi, toujours être derrière et appuyer une démarche citoyenne dans ce cas-ci. C'est certain, et je l'expliquais aussi à Bernard, est-ce que ça donnera les résultats escomptés? Tout ça reste hypothétique, mais je me dois d'appuyer la démarche citoyenne. On le sait, le dossier du parc La Coursière fait couler beaucoup d'encre. On entend beaucoup de frustration et je comprends les citoyens. Il y a un côté dans ce dossier qui est vraiment inexplicable. On parle de milieu naturel qu'on doit alimenter de façon mécanique. C'est un milieu naturel qui a été aussi... très modifié au fil des années et son utilisation a aussi été modifiée. Alors, la clé, selon moi, mais malgré toutes les démarches qu'on fait présentement, ça sera une reconnaissance du ministère de l'Environnement pour un usage distinct. Quand on parle d'un cours d'eau ou d'un milieu urbain, ça peut être différent, surtout quand on a altéré son usage autant que ça au fil des années. Il est très difficile de défendre ou d'expliquer une certaine rationalité par rapport à la situation. Alors, pour tout ceci, oui, j'appuierai cette démarche. Et comme vous étiez à la soirée d'information, présentement, les actions qui sont prises, le cadre, le plan qui est mis en place portera fruit. Certainement, c'est plus long que prévu. On aimerait tous que ça y aille plus vite, mais ça a été amplement discuté, amplement expliqué. Alors, mais... je peux vous dire que maintenant,
toute la gestion est vraiment prise en main et j'ai confiance qu'à terme, on réussira à retrouver le contrôle, mais surtout à assurer une belle biodiversité de ce milieu humide à l'île des Sables. Merci. Alors, c'est suivi, M. le maire, par une 11e question qui est celle de M. Yvon Grant concernant la transaction ou le règlement hors cours sur l'éclairage du golfe exécutif. Donc, il nous dit ceci, M. le maire. Au conseil du 4 mai, vous disiez que le dossier de l'éclairage du golfe, un litige séparé de celui en cours d'arbitrage pour le contrat d'amphithéose avec Pierre Raymond et la ville avait été réglé. Le premier étant lié à un règlement sur les nuisances, alors que le deuxième concerne une série de litiges reliés au contrat d'amphithéose. Et aussi que ce litige avait été réglé par une transaction qui fait partie des quatre modes amiables de règlement des litiges, c'est-à-dire l'arbitrage, la médiation et la conciliation. La transaction étant un contrat par lequel les parties préviennent un procès en consentant des concessions réciproques, les concessions accordées par le golfe exécutif, la concession accordée par le golfe exécutif est claire, modifier son éclairage. Mais quelle est la concession de la ville et a-t-elle un lien avec la clause 5.2 du contrat d'amphithéose qui exige de l'amphithéote une contribution annuelle à un fonds d'amélioration contrôlé par le propriétaire, c'est-à-dire la ville? J'estime le total de ces contributions à environ 575 000 $. Alors, merci beaucoup, M. Grant, pour votre question. Très heureux aussi que ce soit un autre sujet que la clé coursière, mais je vous taquine suite à hier. Mais pour la question de l'éclairage, on n'a pas à creuser très, très loin. On n'a qu'à regarder le sommaire décisionnel lors du vote. Non, on n'a pas contribué. Dans le fond, on a discuté. Ça a été une belle discussion avec le golf. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction au niveau de l'entente. Présentement, le processus d'arbitrage suit son cours, auquel qui est le processus qui est très confidentiel. Mais non, il n'y a pas cette question-là que vous amenez. Alors, peut-être que M. Julien voudrait faire un commentaire complémentaire. C'est bien résumé. Dans le fond, on a une entente qui a été entérinée par la Cour là, pour la transaction d'engagement du golf. Pour nous, ça répond puisque l'ensemble des installations on font l'objet de cette transaction-là, donc sont conformes à nos normes, répondent à nos attentes pour nous, éliminent les nuisances. Donc, et le golf s'est engagé à laisser les lumières éteintes jusqu'à ce que le système d'éclairage version améliorée soit complètement fonctionnel. Donc, pour nous, il n'y avait pas de concession comme telle. Je me permets d'enchaîner donc avec la question 12, la 12e, donc, qui est celle de M. Robert Island concernant l'annonce de l'exercice du droit de préemption de la ville sur les terrains dans le secteur du Puy-Exum. Donc, la question va comme suit. L'achat de l'eau par la ville dans le but d'y permettre des projets de construction et de logement constitue une bonne nouvelle. En effet, quelques 250 personnes et familles sur les 1300 ménages qui en ont besoin pourront éventuellement vivre dans des conditions plus décentes ici à Verdun. Je profite donc de l'occasion pour remercier toutes les instances qui sont intervenues. J'espère que la collaboration entre toutes les parties intéressées se poursuivra même au-delà des prochaines élections municipales et je compte sur votre diligence pour tenir les citoyens et les citoyennes ainsi que les organismes voués au bien-être de la communauté au courant de l'avancée sur ce projet, de ce projet. Et la question comme telle, alors M. Island nous demande, pour le bénéfice de tous, pouvez-vous résumer l'essentiel de la situation et des prochaines étapes? Alors, il faut savoir que le processus du droit de préemption relève d'une transaction immobilière. Alors, la ville s'est donné des moyens lors d'une transaction de pouvoir avoir, je le dirais comme ça, dans le jargon, pour que ce soit plus facile de comprendre, un droit de premier refus sur une transaction immobilière. Dans ce cas-ci, dans la vente de ce lot, la ville a décidé d'appliquer ce droit et maintenant, lors de la transaction, parce que la transaction n'a pas encore eu lieu, la ville pourra avoir, dans le fond, la propriété de ce lot. Suite à cette étape, qui pourrait aller, mettons, je vous dirais, là, tout ça reste hypothétique, dans un an ou deux ans, parce que c'est un processus, surtout dans le commercial,
Mais les étapes qui suivent, en fond, c'est de nommer un GRT, de voir la faisabilité du projet, puis de tout planifier le projet en soi, puis l'inclusion dans le milieu, puis dans l'ensemble du projet de développement dans ce secteur. Alors, on peut compter peut-être 1, 2, 3 ans, mais je vous le dis, ça reste présentement hypothétique, mais on ne parle plus de 20 ans ou de 15 ans ou de 10 ans dans ce cas-ci. Merci. Alors, M. le maire, c'est suivi par une question qui porte sur la même partie du territoire. Donc, une question, la 13e de Mme Rosemarie Goulet, donc concernant le secteur Dupuis-Ixune. Alors, Mme Goulet nous demande quel est le potentiel de réalisation de nouveaux logements dans le secteur Dupuis-Ixune et à quel pourcentage correspondent les 250 logements sociaux récemment annoncés grâce à l'exercice du droit de préemption par la Ville de Montréal? Bonne question. Je vous dirais simplement que le droit de préemption relève d'une politique montréalaise, relève aussi d'un budget montréalais. La Ville de Montréal acquiert des terrains sur l'ensemble du territoire. Dans ce cas-ci, c'est un secteur qui est très sollicité, beaucoup de transactions présentement. Le droit de préemption pourrait s'appliquer à divers moments, mais non plus, je ne crois pas que ce serait raisonnable d'appliquer un droit de préemption sur tout, puis de faire un quartier unique. Je pense plutôt que dans ce cas-ci, on a fait un premier geste fort et que la suite fera en sorte qu'on aura peut-être d'autres secteurs. Je prends l'exemple, on a un stationnement juste à l'extrémité du côté de la Fleur qui nous appartient. Lors d'une transaction avec un propriétaire terrien juste à côté, on pourra complémenter un peu ce développement et cette mixité sociale dans ce secteur. Merci. Alors, c'est suivi, M. le maire, par une 14e question qui est celle de Mme Louise Constantin concernant l'herbe à poux. Donc, Mme Constantin nous écrit ceci. L'herbe à poux a déjà fait son apparition en avance sur son calendrier habituel. Avec la sécheresse que nous connaissons, la saison de l'herbe à poux peut s'annoncer ou s'annonce particulièrement pénible pour les personnes. On parle ici d'une personne sur 8 qui souffre d'allergie. L'arrondissement a-t-il enfin l'intention cette année de suivre les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux en effectuant 2 coupes aux dates prescrites sur les terrains lui appartenant et de réaliser une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires résidentiels et commerciaux afin qu'ils fassent de même et ce, afin de préserver la santé et le bien-être de la population? Elle conclut en mentionnant Agriculture et Agroalimentaire Canada a d'ailleurs démontré que la coupe de l'herbe à poux réalisée lors de ces périodes permet de réduire de 9 fois la production de pollen et de près de 5 fois la production de graines. Voilà. Alors, merci, Mme Constantin, pour votre question qui annuellement nous revient, puis c'est très apprécié. Au fil du temps, vous avez réussi à grandement nous sensibiliser à la question. Alors, la porteuse du dossier, puis l'experte dans ce domaine, Marie-Andrée Mauger, qui a déjà levé la main, pourra vous répondre de façon plus concrète. Merci. Bonjour, Mme Constantin. Merci pour votre question. On avait bien mis à notre agenda de déposer un projet pour obtenir un soutien financier du gouvernement provincial dans le cadre de la stratégie nationale pour éradiquer l'herbe à poux. Malheureusement, c'est une stratégie qui s'est terminée. Donc, il y a eu un financement d'octroyé pour 2021, mais il n'y a pas eu un nouvel appel à projet. Mais malgré tout, on a découvert à Verdun qu'un des grands sites d'herbe à poux, c'est l'ancien site de dépôt à neige, donc près de la piste de danse de Verdun. Et puis, on va intervenir beaucoup plus étroitement. On va faire 2 fauches cette année en juillet et en août pour éviter que les plants, justement, montent à la graine et répandent les substances allergènes. Fait que ça, c'est déjà une grande démarche. Puis du côté de la Maison de l'Environnement aussi, il y a des opérations de communication puis de sensibilisation là, qui vont continuer de se faire, là, qui s'améliore d'année en année, mais disons que la grande amélioration, ça va être tout le site de l'ancien dépôt à neige là, qu'on va surveiller de près, qui est quand même très, très grand. Alors, Mme Constantin, je suis peut-être en complémentarité. Il n'y a pas eu de nouveaux appels à projet, mais si vous appelez Marie-Andrée, c'est comme faire un appel aussi à projet. Alors, n'hésitez pas. Voilà, sur ces mots, M. le maire, on poursuit avec une 15e question qui est celle de M. Philippe Tremblay de l'APRIDS. Elle concerne en fait le comité de citoyens pour le retour de
l'autobus de la ligne 12 à la station La Salle. Alors, il nous mentionne d'emblée que sa question s'adresse à Mme Mauger. Donc, ça va comme suit. Donc, la PRIDS a rencontré Mme Mauger à la suite de l'avant-dernière séance du conseil d'arrondissement afin d'examiner la possibilité de créer un comité de travail pour explorer les possibilités de redonner aux résidents de l'île des Sœurs un accès rapide au métro et à la ligne verte, notamment, évidemment, via la station La Salle. Lors de cette rencontre, il a été convenu qu'un tel comité pourrait être mis sur pied avec la participation des représentants de l'APRIDS, des représentants de l'arrondissement, des citoyens utilisateurs du circuit 12 et des représentants de la STM. L'APRIDS voudrait savoir ce soir si des démarches ont débuté afin que cette rencontre puisse avoir lieu rapidement. Et est-ce que la STM participera à ce comité? Juste avant de laisser la parole à Mme Mauger que vous avez sollicité, je vous dirais, M. Tremblay, premièrement, dans ce dossier-ci, je dirais que ce serait quand même aussi une bonne idée, je crois, demain soir, si je ne me trompe pas, le conseil d'administration de la STM, qui est généralement... Non, on n'est pas le bon conseil. Normalement, c'est le premier mercredi du mois. Alors, poser cette même question-là au conseil d'administration de la STM, alors c'est effectivement les mieux placés pour répondre, mais comme vous avez quelqu'un ici à l'arrondissement qui est sur le conseil d'administration, elle pourra certainement vous donner un complément d'information, mais pour le comité, présentement, je veux juste quand même placer les choses d'ici la fin du mandat. Il n'y aura pas de création de nouveau comité là, d'ici la fin du mandat. Comme vous savez, on tombe en période de vacances. Et ensuite, ce sera suivi de la période électorale. Et présentement, toute la machine administrative n'est pas à la création de nouveaux comités, mais plutôt à l'attente de nouveaux élus. Merci. Alors, Mme Mauger. Oui, merci beaucoup pour la question, M. Tremblay. En effet, on s'est rencontrés dans le courant du mois de mai et je vous avoue que, compte tenu de l'état de santé de ma mère ces derniers mois et du fait aussi que ma mère est à Québec, donc j'ai mis beaucoup de temps en déplacement pour faire des allers-retours et aller au chevet de ma mère, et en particulier le mois de juin. Donc, je n'ai pas pu donner suite à la création du comité, puis c'est vrai que à l'arrondissement, c'est un petit peu difficile de mettre sur pied de nouvelles structures, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec des membres de l'équipe planification à la STM qui m'ont dit que si on organisait donc une rencontre, oui, ils viendraient donc nous rappeler l'historique. Puis en fait, c'est vrai que pour la STM, c'est un peu la décision de l'arrondissement qui fait que le trajet de la 12 n'a pas été modifié. Puis j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer pourquoi là, il y a un enjeu de virage à gauche, de rallongement du temps de trajet et tout ça qui fait que... Et qu'à l'époque, la maire, il tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, en toute transparence. C'est ça. Fait qu'on n'a pas trouvé une solution qui permettrait de vraiment... Donc, de ne pas juste déplacer un problème. Puis ce qu'on se disait aussi, puis ce que je vous ai dit, c'est que comme le réseau express métropolitain va entrer en opération au printemps 2022, donc d'ici un an, il n'y aura pas de modification comme telle au nouveau trajet. Mais j'ai bien entendu la préoccupation de, malgré tout, maintenir un lien, le souhait de, que la ligne 12 revienne à un trajet où elle irait d'abord à la station La Salle avant d'aller sur le boulevard Gaétan-Laberge, desservir l'hôpital, l'auditorium et se rendre jusqu'à la station de l'église. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on fait un appel à tous un peu pour voir faire une soirée, une rencontre de présentation avec des personnes qui utilisent la ligne 12 et qui souhaiteraient pouvoir descendre à la station La Salle, parce que honnêtement, je n'en ai plus d'écho. Mes collègues du conseil ne me font pas part non plus d'écho comme quoi c'est un souhait. On n'en a plus de commentaires. J'ai fait vérifier avec la STM. Ils n'ont pas non plus de plaintes, de demandes, d'appels au service à la clientèle non plus. Donc, on a un petit peu aussi le souci de rassembler des gens. Ça semble pas être un grand sujet de préoccupation en ce moment, mais je veux quand même porter attention à votre demande que vous portez depuis un bon moment. Donc, on va essayer d'organiser ça. Je sais pas si ce sera possible dans le courant de l'été, mais ça prendra pas la forme d'un comité formel à ce moment-ci, par exemple.
Alors, aussi en complémentarité, Mme Auger l'a expliqué, il y a le REM et c'est avec un pont local où on permettrait le transport collectif, justement, ça serait encore plus vite pour se rendre à une station de métro. Alors, comme vous voyez, le tableau est assez garni et au fil des prochains mois, des prochaines années, il y aura certainement une solution qui sera encore plus optimale dans votre cas. Merci. Alors, on enchaîne, M. le maire, avec une 16e question qui est celle de Mme Marianne Mercier de l'organisme Concertation en développement social de Verdun. Et sa question porte sur les logements sociaux. Donc, ça va comme suit. Suite à l'annonce de la Ville de Montréal d'exercer son droit de préemption sur certains terrains du secteur Dupuis-Exune, comment l'arrondissement de Verdun assurera-t-il le respect de sa vision urbanistique? Mais en fait, cette vision est portée par la Ville. Nous, on fait des recommandations, mais c'est un dossier qui relève de la Ville, d'une transaction immobilière et d'un budget Ville. Alors, l'arrondissement va toujours porter ou appuyer une telle démarche, mais il y reste à la fin que c'est une décision de la direction de l'habitation au niveau de la Ville de Montréal. Donc, la prochaine intervention, je dirais, est celle de M. Francis Waddell, qui concerne en fait des félicitations. Donc, ça va comme suit. Bonjour, je voulais féliciter les services qui ont mis à l'ordre le commerçant du 4337 sur la rue piétonne, car à chaque année, il y a de l'abus, soit pour les mégots de cigarettes, soit pour le bruit. Dans ce cas-ci, c'était pour des haut-parleurs qui donnaient directement sur la rue. Lors de la finale entre le Canadien et Vegas, je n'ai pas téléphoné, c'était exceptionnel, comme si le Canadien gagnerait la coupe. Mais ce commerçant abuse année après année. Donc, merci au service, on parle ici du 311, et à l'arrondissement et à son administration pour le suivi. En espérant que la rue piétonne redevienne ou revienne d'année en année, est-ce possible de s'assurer que le cadre légal, c'est-à-dire les règlements, soit respecté, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires positifs. Évidemment, les services s'entendent. Mais aussi, c'est important de ramener à l'ordre ou d'assurer une certaine collaboration à tous. Alors, personnellement, évidemment, j'aimerais pas rester au-dessus de ce commerce-là. Je ne sais pas qui reste là, mais ça ne doit pas être évident. Merci. Alors, M. le maire, on enchaîne avec une question, la 18e, qui est celle de M. Ryan Wong. Et ça concerne en fait l'adoption d'une résolution pour condamner la persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois. Donc, l'intervention va comme suit. Je souhaite demander à la Ville de Verdun ou à l'arrondissement de Verdun d'adopter une résolution pour condamner la persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois ainsi que la pratique de prélèvement forcé d'organes à des fins lucratives. Plusieurs Montréalais et moi pratiquons le Falun Gong, aussi appelé Falun Dafa, une méthode de cultivation de soi qui apporte beaucoup de bienfaits, très populaire en Chine dans les années 1990. Y voyant une menace à son pouvoir, le Parti communiste chinois a lancé une sévère persécution sur des millions de personnes, tels des emprisonnements, de la torture, des disparitions et autres. La pire forme, les prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers à des fins lucratives. Plusieurs pays ont renforcé leur législation pour prévenir leurs citoyens de se rendre à l'étranger pour recevoir un organe illicite. Le Canada est également en voie d'adopter un tel projet de loi. Pour soutenir ces efforts, je me permets de proposer à l'arrondissement de Verdun d'adopter une résolution qui serait transmise aux représentants canadiens. Monsieur le maire, on ne vous entend pas. Excusez, bon, je suis Hervé. Alors, effectivement, merci pour votre question. C'est un dossier qui interpelle beaucoup notre collègue Marie-Andrée Mauger, qui est aussi candidate. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous orienter ou vous éclairer sur cette question. Merci, Monsieur Wang. Je vous avoue que sur la question du
Falun Gong, je ne me souviens plus ce qu'est cette pratique-là. Sur la question du prélèvement d'organes illégal où on fait ça pour la revente et tout ça, je pense que au municipal et peut-être même en arrondissement, on est vraiment au-delà de notre compétence municipale. Est-ce que il y a lieu d'utiliser une voie politique pour faire pression de ce côté-là? Le sujet demande réflexion au sein des membres du conseil, puis dans ce cas-ci, dans ce qui me concerne du cabinet de la mairesse, je pourrais pas me prononcer ce soir. J'ai appris un peu à observer une réserve, même s'il y a beaucoup de sujets qui m'interpellent, beaucoup. J'essaie de rester dans mon champ de compétences, mais il y a des moments où faut participer à un effort de pression populaire ou publique, mais je sais pas, à brûle pour point comme ça, je pourrais pas me prononcer, même pas personnellement, ni au nom des membres du conseil là-dessus. Merci, Mme Auger. En complémentaire, Véronique Tremblay a ouvert sa caméra. Mme Tremblay? Je suis plutôt d'accord avec ma collègue. Je pense que c'est bien de nous sensibiliser, de sensibiliser l'ensemble de la population. Le trafic de dons d'organes est certainement quelque chose d'extrêmement... on ne peut pas être contre ça. Il y a l'ACDO au Québec et au Canada qui permet le don d'organes volontaire et je trouve que c'est un geste qui fait contrepoids à ce genre de trafic-là. Donc, c'est extrêmement intéressant que nous, on ait ça. Maintenant, moi non plus, je ne pourrais pas me prononcer sur l'enjeu. J'ai lu les questions aujourd'hui, mais j'avoue que j'avoue pas mal que je ne suis pas au fait du dossier. Alors, voilà. Oui, mais heureusement, on a un historien à l'arrondissement, toujours passionné de ces questions géopolitiques. Monsieur Lheureux, à vous la parole. Alors, il faut comprendre que Falun Gong, ce n'est pas un groupe neutre, c'est un groupe politisé qui a des ramifications partout en Amérique du Nord et à travers le monde. Et je trouve ça regrettable qu'on vienne instrumentaliser ici le conseil pour venir prendre position dans un conflit politique. Et puis, Falun Gong est une secte à la fois religieuse et politique. Donc, assurément, on ne prendra jamais position dans un pareil. Monsieur le directeur d'arrondissement, Monsieur Lauzon. Votre micro, Monsieur Lauzon. Merci, Monsieur le maire. Je pense que tout a été dit. Alors, si tout le monde a pris la parole, Monsieur Gerbeau, je vous laisse continuer avec les questions. Avec une 19e question qui est celle de M. Michel Vivier, qui concerne les entrées et les sorties de l'île des Sœurs. Donc, M. Vivier nous dit ceci, les travaux du nouveau pont Champlain, incluant ses pistes cyclables et leur entrée-sortie, sont complétés pour l'île des Sœurs. Mais il y a un oubli de taille et d'importance. Je parle des entrées-sorties pour automobiles. Elles sont dans un état tout à fait lamentable, sinon carrément inacceptable. Idem pour la voie reliant la pointe nord vers le rond-point chemin du Golfe. Nous n'avons aucune annonce, aucun travaux, aucun projet en vue. Et nous sommes à la fin de juin 2021. Donc, ma question, est-ce que ces travaux de finition et de mise à niveau seront complétés en 2021? Tous les résidents de l'île des Sœurs aimeraient bien renouer à des voies d'accès de qualité plus que dues en 2021. Alors, merci beaucoup pour votre question. Sachez que les secteurs dont vous parlez étaient sous l'emprise d'une expropriation temporaire le temps des travaux. Ce secteur doit être aménagé. On a vos coordonnées. Mme Diane Vallée pourra communiquer avec SSL et aussi Infrastructure Canada pour vous envoyer en fait l'ensemble de l'information, beaucoup plus complète que de le dire comme ça à haute voix, parce que des fois, il nous manque des détails. Alors, merci pour votre question, puis soyez assurés qu'on va vous donner toute l'information. Merci. Alors, on enchaîne, M. le maire, avec la 20e question, qui est celle de Mme Isabelle Charrier, qui concerne la sécurité à la plage. Donc, elle dit « Je suis préoccupée par la sécurité en haut des escaliers de sortie de la plage côté brise du fleuve.
Comme vous le savez, il n'y a pas de dégagement et on arrive directement sur la piste cyclable. Sachant qu'il y a très peu, sachant qu'il y a déjà eu des incidents dans le passé impliquant de jeunes enfants et compte tenu de la vitesse de certains cyclistes, est-ce qu'il serait possible d'installer une signalisation en amont et un dispositif quelconque pour faire ralentir les cyclistes qui arrivent de l'ouest? Alors, merci pour votre question. On va évaluer, dans le fond, l'ensemble de vos commentaires. Madame Vallée suit le dossier de la plage depuis le jour 1, comme aussi avec la plupart des services d'arrondissement. Et il faut savoir aussi que toute la piste cyclable a été aussi l'aménagement, l'intégration de la piste cyclable. Il y a eu une collaboration avec Vélo-Québec dans ce cas-ci. Alors, on va regarder vos propos et faire l'analyse via les services. Et s'il y a lieu de vous revenir, on vous reviendra ou prendre des mesures, mais vous le verrez. Merci. Alors, M. le maire, on a une 21e question qui est celle de M. Kevin Hirsch de la PIDS concernant les pistes multifonctionnelles. Donc, il nous dit ceci, lors de la dernière séance du Conseil, vous avez rappelé que la cohabitation harmonieuse entre piétons et cyclistes était d'abord une affaire de civisme. Or, le civisme est une question d'éducation et de formation. Est-ce que l'arrondissement pourrait installer des panneaux d'information aux entrées de l'île des Sœurs, rappelant la limite de vitesse et de partage des pistes? Est-ce que lors de la réfection de la piste du boulevard René-Lévesque, l'arrondissement pourrait planifier des aménagements pour une meilleure cohabitation, c'est-à-dire des ralentisseurs priorité piétons, par exemple? Voilà. Alors, merci Kevin pour ta question, fort utile. Je laisserai peut-être M. Rouleau par rapport à l'aménagement ou l'indication, l'information, parce que souvent ça relève du code de la sécurité routière au niveau du partage. Qu'est-ce qui pourrait être fait peut-être pour rappeler certaines règles de civisme ou au niveau du code, entre autres? Alors, M. Rouleau, à vous la parole. On est en discussion avec le central, l'ensemble des pistes cyclables, compte tenu qu'elles relient plusieurs arrondissements, relèvent du central. Et ce n'est pas le seul endroit où on a des enjeux de sécurité. Donc, on est en train de regarder toutes les possibilités avec les services centraux, de façon à ce que ce soit uniforme à l'intérieur de la ville de Montréal. Donc, prochainement, on sera probablement en mesure de vous donner plus de détails. On pourra vous revenir à ce sujet. Merci beaucoup. Alors, M. le maire, on va conclure avec une 22e et dernière question qui est celle de M. André Julien qui porte sur le point 40.08 de l'ordre du jour de ce soir, de la réunion de ce soir. Alors, il nous dit, suite à l'adoption de l'article 40.08 par le conseil d'arrondissement ce soir, est-ce que l'arrondissement de Verdun a l'intention de se porter acquéreur du presbytère de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs pour y établir une maison de la culture au centre-ville de Verdun? Alors, merci M. Julien ou André pour la question. Sachez que oui, il y a toujours eu un intérêt pour l'arrondissement de se porter acquéreur de ce bâtiment. Premièrement, pour des raisons de patrimoine local, je vous dirais comme ça. Déjà, nous avons une entente avec la fabrique à propos du terrain adjacent, le parc en arrière. Mais pour ce qui était du presbytère, qui relevait aussi du même lot que l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, nous devions aussi avoir l'aval de Mgr Lépine, que j'ai rencontré, et avec qui j'ai parlé de vision, dans le fond, d'avoir un usage communautaire. On ne parle pas nécessairement de maison de culture, il peut y avoir d'autres usages au niveau du secteur, mais pour ce qui est de maison de culture, puis je vous rappellerai que toute la portion d'une bibliothèque dans son secteur, c'est un désert. Il y a un déficit dans le fond de bibliothèque et c'est un projet aussi qu'on porte. Mais évidemment, il ne pourra pas être à l'intérieur du presbytère parce que cela a déjà été effectué par les services centraux et ça ne cadre pas avec soit l'aspect technique là, du bâtiment ou la vision que portent les services centraux par rapport à la bibliothèque de demain. Mais il y aura certainement d'autres fonctions qui seront aussi communautaires pour cet immeuble. Merci. Alors, bien, M. le maire, donc, ça complète la période de questions, le point 10.06, ce qui nous amène donc à un point, ce mois-ci, donc, on a une déclaration au point 15.01.
et ça s'intitule « Déclaration visant à souligner le 100e anniversaire du Coquelicot, ainsi que l'héritage d'après-guerre de Verdun ». Oui, alors M. Darnier va nous lire cette déclaration pour notre bénéfice. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, le 1501, déclaration visant à souligner le 100e anniversaire du Coquelicot ainsi que l'héritage d'après-guerre de Verdun. Donc, attendu que l'année 2021 marque le 100e anniversaire du Coquelicot, une symbole qui a vu le jour en juillet 1921 par l'Association des vétérans de la Grande Guerre, qui décida d'adopter fleur de souvenir pour hommage lors de la Première Guerre mondiale. Attendu que Verdun compte parmi les communautés canadiennes ayant eu le plus grand taux d'enrôlement volontaire lors des deux guerres mondiales, en juillet 1944, le NCSM Denver K03, frégate de classe River, a été lancé pour le compte de la Marine royale canadienne et nommé en l'honneur de la ville de Verdun. Fut d'ailleurs navire amiral de plus gros convoi de la guerre. Attendu que l'arrondissement de Verdun compte sur son territoire la Légion royale canadienne filiale 04, laquelle a célébré son 100e anniversaire en 2019. Les vétérans verdunois commémoreront depuis plus d'un siècle les hommes et les femmes qui ont servi le pays, et ce, lors des parades organisées annuellement. Attendu que la Maison Nivard de Saint-Dizier, maintenant reconnue comme un lieu patrimonial et muséal, a déjà accueilli la Légion royale canadienne filiale 202 de Crawford Park de 1948 à 2002. Attendu que, fort de son histoire, l'arrondissement de Verdun comporte plusieurs héritages sur son territoire, dont le secteur Crawford Park, qui se caractérise par ses maisons d'après-guerre, celui de la Poudrière, qui abrite aujourd'hui les vestiges de l'une des plus importantes usines de guerre au Canada, sans oublier la parc, la rue et l'école secondaire nommée en l'honneur de l'officier pilote George F. Burling, un héros de guerre verdunois. Qui vise à marquer le 100e anniversaire du Coquelicot en poursuivant son hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi en temps de guerre, ainsi qu'en honorant celles et ceux qui servent dans les forces canadiennes encore aujourd'hui. Donc, il est proposé par moi-même et appuyé par... Moi-même ou l'unanimité. Ouais, l'unanimité, ouais, c'est super. Je vais laisser M. Gerbeau décider. Et que l'arrondissement de Verdun prévoit redonner au parc souvenir ses lettres de noblesse en le réaménageant ainsi qu'en bonifiant son monument commémoratif. Que le projet d'aménagement de l'entrée et du sentier d'accès au parc Reine-Élisabeth à Crawford Park, réalisé en 2020, soit désormais dénommé le sentier des Coquelicots en hommage aux anciens combattants. Et que la Maison Nivard de Saint-Dizier, en étroite collaboration avec le Musée canadien de l'histoire, lance dès cet automne Verdun en temps de guerre, une communauté engagée, une exposition virtuelle qui met à l'honneur Verdun comme l'une des communautés canadiennes ayant donné le plus grand nombre de volontaires lors des deux guerres mondiales. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Darnay. Puis, en relisant avec vous cette déclaration, je réalise qu'il manque en fait un attendu quand même assez important. Alors, dans le deuxième attendu, on dit que Verdun, on a nommé, dans le fond, le NCSM Denver pour reconnaître l'effort de guerre des Verdunois. Mais pourquoi on l'a appelé le NCSN Denver? C'est que lors de la première guerre en 21, à l'époque qu'on a choisi le Coquelicot, on avait déjà nommé le NCSM Verdun. Mais comme on ne pouvait pas nommer deux fois lors de la deuxième guerre l'effort de guerre,
On a simplement inversé les lettres Verdun, Denver, d'où le nom de votre rue où vous habitez. Merci. Exactement, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour la précision. J'aurais aimé ça que ce soit là-dedans, mais on n'avait pas assez de place pour tout mettre. Mais merci beaucoup. Oui, mais je vais rectifier le tir et je suis fier. Aviser Mme Ayotte. Ouais. Malgré sa négligence, je vais parler à Mme Ayotte. De toute façon, je suis fier. Je vis sur la rue Denver, donc tout est correct. Tout est beau. Voilà, donc, suivant cette décision, donc, en fait, on vous propose maintenant un regroupement de 5 points de l'ordre du jour, c'est-à-dire les points qui vont du point 20.01 au point 30.02. Donc, en 20.01, le point consiste à offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte, au Conseil de la Ville de prendre en charge la réalisation des travaux de remplacement des entrées de service en plomb sur les terrains privés, et ce, en vertu du règlement de la Ville-Centre, le règlement 20.030 de la Ville-Centre. En 20.03, le point consiste à accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'organisme Action Prévention Verdun, incluant toutes les taxes applicables, pour l'année 2021, afin de réaliser le projet Intervention auprès des jeunes vulnérables dans le cadre de la mesure temporaire en sécurité urbaine en lien avec l'impact de la COVID-19 sur les personnes et les quartiers. Il y a également une convention qui est jointe au soutien de ce point-là, et le point consiste évidemment à approuver cette convention. En 20.03, le point consiste à accorder, ou plutôt à approuver, le projet d'entente à intervenir avec l'organisme Centre de haute performance de hockey 21.02 afin d'assurer l'accueil des athlètes de hockey féminin à l'Auditorium de Verdun pour la période, sur une période de 5 ans qui s'étendra donc du 1er septembre 2021 au 31 août 2026. Et à autoriser la réception de la somme de 617 981 $. C'est une somme qui sera répartie là, en différents versements toutefois. 30.01, le point consiste donc à prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande approuvés ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour la période du mois de mai. 30.02, là aussi, il s'agit de prendre acte du dépôt pour information des virements de crédit du budget de fonctionnement et du programme triennal d'immobilisation pour la même période, c'est-à-dire le mois de mai. Voilà donc pour ce regroupement. Je propose. Oui, M. Dernier propose et secondé par Mme Véronique Tremblay. Oui, je seconde, j'appuie. Alors, c'est noté. On enchaînera avec un regroupement proposé cette fois-ci qui irait des points 30.03 au point 40.02 de l'ordre du jour. Donc, en 30.03, donc il s'agit encore une fois de prendre acte du dépôt des rapports budgétaires pour la période du mois de mai. En 30.04, le point consiste à autoriser une affectation de surplus, du surplus déneigement de l'ordre de 400 000 $ afin de s'assurer de couvrir les coûts inhérents aux activités de déneigement pour les exercices financiers 2021 et 2022. 05, le point consiste à adhérer aux objectifs et modalités du programme aquatique Montréal qu'on désigne sous l'acronyme PAM. Donc, c'est le programme, la version 2021-2025. Et également, le point consiste à accepter l'offre de service du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de la Ville-Centre et du service de la gestion et de la planification immobilière pour la gestion et la réalisation du projet de rénovation du natatorium, mais ce, conformément encore une fois à l'article 85 de la Charte de la Ville. En 40.01, le point consiste à adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'exercice financier courant. Il portera le numéro RCA 21-21-0009. Le but de ce règlement était de modifier la grille de tarification pour l'Auditorium de Verdun et pour les tournages cinématographiques. Enfin, le point 40.02 consiste à accorder une dérogation mineure afin de permettre l'installation d'un poste de transformation sur socle ayant des dimensions supérieures à 1,5 m
à l'édifice qui est situé au 1201-1205 de la rue Argyle. Je souligne, en ce qui a trait au point 40.02, que ça a été précédé par une consultation écrite de 15 jours et aucune intervention, aucune question n'a été reçue toutefois par l'arrondissement. Donc, voilà pour ce deuxième regroupement. Monsieur le maire, on ne vous entend pas. Alors, proposé par Mme Mauger. Je le propose. Et secondé par Monsieur Gagnon. J'appuie. C'est noté. Alors, on vous propose un nouveau regroupement, un autre regroupement, cette fois-ci qui est des points 40.03 à 40.07. Donc, en 40.03, il s'agirait de demander au Conseil de la Ville-Centre de modifier pour application à l'égard du territoire de Verdun son règlement sur les excavations. Je souligne toutefois que cette demande ne porte que sur le domaine public, cependant. En 40.04, le point consiste à adopter en vertu du règlement sur les PPCMOI, je le résume ainsi, une résolution afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel unifamilial de deux étages qui est situé au 163 de la première avenue. À l'égard de ce point-là, je souligne qu'on a tenu une période qui permettait aux gens de demander, en fait, l'approbation référendaire et nous n'avons reçu aucune demande. 40.05, c'est un point de même nature, donc il s'agit d'adopter en vertu du même règlement sur les PPCMOI, cette fois-ci un premier projet de résolution afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel familial et l'ajout d'un logement, et tout ça pour concernant l'immeuble qui est situé au 5795 du boulevard Lassalle. Donc, comme c'est un premier projet de résolution, ce sera suivi d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours prochainement. En 40.06, c'est une demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale qui vise à permettre la transformation et l'agrandissement en hauteur du bâtiment qui est situé au 5376-5378 de la rue Wellington. Et enfin, en 40.07, un point de même nature, donc une demande d'approbation d'un PIA afin de permettre des rénovations extérieures du bâtiment qui est situé au 1201-1205 de la rue Argyle. Voilà donc pour cet autre regroupement. Alors, c'est proposé par M. Lheureux. Proposé, oui. Mais M. Lheureux, je veux voir votre visage pour être tout à fait légal. Merci. Oui, proposé. Et secondé par M. Gagnon. Je n'aurais pas secondé celui-là, le regroupement. Je vais respecter. Écoutez votre cœur. Alors, Mme Tremblay? Oui, je vais appuyer. Je demande le vote au point 40.04. Alors, la demande est acceptée, M. Donny. Pour? Désolé, j'ai un problème avec mon micro. Je suis pour. Oui. Parfait, Mme Mauger. Je suis pour. Monsieur Gagnon? Je suis contre. Mais voyons donc. J'en reviens pas. Non. Alors, Monsieur Lheureux? Pour. Madame Tremblay? Je m'abstiens. C'est contre à ce moment-là. On ne peut pas le faire en arrondissement. Parfait, contre. Oui, contre, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je suis pour. Merci. Donc, c'est adopté. Oui, parfait. Alors, donc, on va vous proposer un autre regroupement, donc de 5 points, qui seraient les points 40.08 à 40.12. Alors, en 40.08, c'est une autre demande d'approbation d'un PIA, cette fois-ci qui vise à permettre des travaux de rénovation d'une partie de l'immeuble qui est située au 4155 de la rue Wellington. Il y a une autre adresse, c'est le 275-277 de la rue Galt, et en fait, ça concerne le presbytère de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. En 40.09, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Donc, c'est un règlement qu'on appelle un règlement autonome. Là, ce n'est pas un règlement modificateur, ce sera un nouveau règlement sur l'encadrement, ce qui demande sur les excavations sur le domaine privé cette fois-ci. Alors, j'ai besoin de connaître qui parmi vous donnerait l'avis de motion et déposerait le projet de règlement.
Alors, Mme Tremblay. M. Gagnon, oui, oui, d'accord. Gagnon, donc, à ce moment-là, la décision du Conseil consistera donc à prendre acte de ce dépôt de projet de règlement. En 40.10, c'est également un autre avis de motion, également un règlement autonome. Cette fois-ci, ce sera un règlement sur la démolition d'immeubles. Alors, j'ai besoin encore une fois de savoir qui donne l'avis de motion et dépose le règlement. Madame Tremblay, Madame Mongé. Parfait, je donne l'avis de motion. Excellent. Donc, la décision consistera donc à prendre acte du dépôt du projet de règlement. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mes feuilles. Voilà, donc, c'est suivi donc par le point 40.11 qui consiste à édicter une série d'ordonnances relatives à divers événements publics. Donc, vous avez un projet de recommandation, une recommandation qui vous a été faite. Toutefois, à la demande du service des loisirs, on nous dit de retirer de cette recommandation donc le tournoi de Balmol. L'ordonnance qui a trait au tournoi de Balmol, puisque cet événement-là n'aurait pas lieu. Voilà donc la recommandation, elle est sous réserve de cette modification. Et en 40.12, donc c'est un point assez costaud, comme j'ai l'habitude de le dire, donc c'est un règlement omnibus, donc on propose cette fois-ci d'adopter le premier projet de règlement qui modifie notamment le règlement de zonage, le règlement relatif aux usages conditionnels, le règlement sur les certificats d'autorisation et d'occupation, le règlement sur les tarifs et le règlement de lotissement. Et tout ça intervient dans le cadre de la révision réglementaire relative aux usages, aux bâtiments, aux constructions, aux équipements accessoires, à l'aménagement extérieur, à l'architecture, au stationnement, à l'affichage, au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ainsi qu'aux droits acquis. Je souligne également que la recommandation ou la décision recherchée nous dit qu'une assemblée écrite de consultation, si on peut dire, une consultation écrite, devrait avoir lieu donc du 2 au 25 août prochain. Alors, juste avant que je nomme le proposeur, j'aimerais remercier personnellement toute la direction de l'équipe avec Marc Rouleau pour ce travail exhaustif. Alors, les gens ne s'imaginent pas, mais quand on fait le grand ménage de toute cette réglementation-là qui finit par être lourde ou des fois obsolète par rapport à la réalité ou à l'évolution de la société. Alors, Marc, merci et j'aimerais que tu transmettes cette reconnaissance-là auprès de ton équipe qui a fait vraiment un bon travail, mais surtout qui a rendu cela aussi très, je dirais comme ça, digeste là, par rapport à la lourdeur de ce que ça représentait. Alors, proposé par M. Lheureux. Proposé, oui. M. Lheureux, votre micro. Merci. Alors, secondé par M. Gagnon. Oui, j'appuie. Voilà, c'est noté, M. le maire. Et on vous propose un dernier regroupement de points de l'ordre du jour pour ce soir. Ça comprend cette fois-ci quatre points, les quatre derniers points de substance. Donc, ça irait des points 40.13 à 60.01. Donc, en 40.13, c'est une demande d'approbation d'un PIA qui vise à permettre l'installation d'une enseigne à plat et de deux enseignes détachées hors standard concernant l'immeuble qui est situé au 4110 du boulevard Lassalle, c'est l'auditorium. En 51.01, le point consiste à désigner comme le sentier des Coquelicots, le sentier piéton du parc de la Reine-Élisabeth en hommage aux anciens combattants. En 51.01, le point consiste à nommer M. Jean-François Mathieu à titre de directeur intérim de la direction des travaux publics de l'arrondissement, en remplacement donc de M. Martin Roberge, et ce jusqu'au retour au fond de ce dernier. On va devoir repenser ce point sérieusement là. Non, c'est une blague. Je conclue donc avec le point 60.01 qui consiste à prendre acte en fait du dépôt du bilan annuel du plan de développement stratégique et des priorités de l'arrondissement pour l'exercice, évidemment l'exercice l'an passé, donc 2020. Alors, ça complète ce regroupement de points. Alors, proposé par M. Downey. Je vais laisser quelqu'un d'autre proposer à M. le maire ces points-là. D'accord, Mme Tremblay.
Je vais les proposer. Alors, seconde par M. Lheureux. Appuyez. Parfait. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Je pense qu'il y avait un point, M. Gagnon. 43. Parfait. Alors, le vote 43, M. Donny? Contre. Contre. Contre la signalétique, contre Scotty Bowman. OK. Monsieur Gagnon? Non, j'aime Scotty Bowman, mais j'aime la première proposition. Les enseignes détachées hors standard. Ouais. Monsieur Gagnon, ben, vous n'avez pas répondu contre, j'imagine? Contre. Parfait. Madame Maugé? Pour. Merci. Monsieur Lheureux? Pour. Madame Tremblay? Pour. Et je suis pour. Merci. C'est noté, Monsieur le maire. Alors, ceci nous amène à un moment de la séance où, en fait, les conseillers, normalement, sont invités à s'exprimer sur les items qui ont été adoptés en bloc ce soir. Alors, est-ce qu'il y avait des élus? Peut-être, M. Gagnon, vous avez quand même demandé le vote. J'aimerais éclaircir ma position sur le vote sur l'affichage hors standard détaché. Lors du CCU du 15 mars 2021, il avait été recommandé de les enseignes doivent contribuer à une meilleure orientation des usagers vers les différentes entrées sans participer à un effet de surcharge surenchère des affichages en façade. C'est exactement ce que je trouve que la dernière mouture qui a été présentée en CCU spécial, c'est la surcharge surenchère d'affichage en façade. Et c'est au niveau du sol, ça fait que ça va être endommagé probablement par nos jeunes qui rêvent de skateboard. Fait que pour ces deux raisons-là, je n'étais pas prêt à appuyer cette proposition d'affichage enseigne détachée. J'ai rien contre l'enseigne attachée au mur, mais les deux enseignes détachées, je trouve que c'est la surenchère. Alors, merci pour votre propos. Alors, tout respect. Est-ce qu'il y avait d'autres qui voulaient s'exprimer sur le dossier, M. Downey? Au contraire, je ne suis pas contre Scotty Bowman, mais je pense que la famille de Scotty Bowman ne voudrait pas. Non, je le sais. Mais non, mais justement, comme M. Gagnon il a dit, je crois qu'il y a un problème avec l'emplacement d'une des enseignes où ça risque de devenir un module de skate plus que d'autres affaires. Donc, pour moi, je trouve ça un petit peu triste là, que ça va être abîmé. Donc, il y a cet enjeu-là. Et l'autre enjeu, c'est juste que qu'est-ce que j'essaie de comprendre, c'est que les deux glaces, ben les deux espaces, c'est Scotty Bowman puis c'est Denis Savard. Mais l'entrée principale, c'est le... Monsieur Donné, c'était comme genre un scoop, mais ça va continuer. Oh, ben désolé. Non, il n'y a pas de trouble, je disais la semaine prochaine. Ouais. Désolé, mais je pensais parce qu'on avait mentionné Scotty Bowman, c'était pour ça. Ben oui, je vous taquine. Mais non, mais justement, fait que pour moi, ce qui n'était pas clair dans le dossier originalement, c'est que je trouve qu'on a besoin d'une signalétique à la porte principal qui dit que c'est l'auditorium, donc le bâtiment qui porte une nom. Et pour moi, la signalétique, ça serait plutôt à l'intérieur qui indique les deux glaces à l'intérieur ou les deux zones espaces à l'intérieur, parce que ça reste quand même l'auditorium de Verdun maintenant. C'était ça la décision qui était prise. Mais je suis pas con. Je veux dire, c'est correct que ça a été voté ce soir, mais c'était juste, pour moi, c'était pas clair parce que c'était vraiment les glaces qui sont nommées, mais pas le bâtiment. Et d'avoir cet affichage à l'extérieur du bâtiment, je trouve que ça crée un petit peu de confusion, mais c'est juste ça. Alors, merci, M. Donnelly. Peut-être pour itérer, puis peut-être en complémentarité pour que tous et chacun puisse bien comprendre tout le travail et la décision qui était prise en arrière de cette décision. À l'époque, avant les rénovations de l'auditorium, nous avions un bâtiment qui s'appelait l'auditorium de Verdun et nous avions une annexe qui est devenue un auditorium juste à côté qui s'appelait Denis Savard. Lors de la réfection, en fait, on a mis la portion Denis Savard à terre, on a rebâti et on a comme fusionné les deux immeubles. Quand vous aurez la chance, si ce n'est pas déjà le cas, de visiter les lieux, vous avez accès aux fenestrations sur les deux glaces. Alors, ça devient un tout, un bâtiment. Au plan de la toponymie à Montréal, et je remercie entre autres ma collègue Émilie Thulier qui m'a très bien aiguillé là, sur la question,
c'est le bâtiment s'appelle l'Auditorium de Verdun parce qu'il s'est toujours appelé l'Auditorium de Verdun et c'est ce qui est reconnu sur à la toponymie. Il faut savoir aussi que les règles ont changé avec le temps. Il faut que la personne soit décédée depuis un certain temps, un an minimum, pour qu'on puisse amener un processus de nomination d'un lieu. Donc, ce soir, que vous avez vu le parc d'Ananganou, alors c'est un processus qui a cheminé, mais qui a commencé avant, mais que nous nommons ce soir pour des raisons aussi de temps suite au décès ou du départ de la personne. Dans ce cas-ci, bien, certainement, nous ne voulions pas débaptiser, je peux dire comme ça, Denis Savard. Premièrement, parce que il avait déjà été reconnu à l'époque par l'ancienne ville de Verdun. C'était entériné. On n'était pas assujetti à l'époque par cette question de toponymie. Quoique, il n'avait pas été non plus inscrit au niveau de la toponymie antérieurement. Mais c'est important de garder parce que culturellement, on se souvient tous de cet espace comme l'annexe de Denis Savard ou ce côté-là à gauche chez Denis Savard pour tous ceux qui ont visité l'auditorium. Et deuxièmement, ben, il était élevé au coin de la rue chez nous. Son père Arthur, il avait des panneurs, puis je passais mon temps à m'acheter des bonbons là. Ça, c'est l'autre histoire assez du village. Du côté de Scotty Bowman, pour moi, c'était important de reconnaître plus qu'un arbre qui avait été planté à l'époque, le monument que représente Scotty Bowman. C'était un coach du Canadien, c'était un coach plutôt dur parce que ben, il était de son époque, de cette époque-là, cette façon de gérer. Mais Scotty Bowman est avant tout le coach qui a reçu le plus grand, qui a gagné en fond le plus grand nombre de Coupes Stanley dans l'histoire de la Ligue nationale, premièrement. Deuxièmement, de famille immigrante irlandaise, ses parents ont immigré. Je vous invite tous et chacun à lire la biographie de Scotty Bowman écrite par Ken Dryden, qui est fort intéressante, et où dont les quatre premiers chapitres ne parlent que de Verdun. Alors, juste pour ça, moi, j'étais charmé. Mais quand il explique de Verdun, c'est son attachement. Moi, il est passé devant l'auditorium parce qu'il devait aller pour un événement suite à la mortalité de quelqu'un dans l'entourage du hockey il y a à peine 2-3 ans. Il est venu à l'arrondissement et il était très ému de voir qu'on dégarnissait toute la façade de tôle et de permettre de retrouver la brique d'origine. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a confié que lors de l'immigration de sa famille, son père, comme immigrant irlandais, il a été engagé comme handyman parce que c'était un projet aussi pour permettre aux gens de sortir de la grande crise en 1939. C'était un projet gouvernemental. Et son père a été un handyman qui a installé la brique. Alors, certainement, une ou plusieurs de ces briques ont été installées par son père. Cet homme a toujours été fier, a toujours reconnu ses origines verdunoises. Et parle très bien français pour vous dire. Et évidemment, moi, étant fan, j'étais quasiment intimidé lorsque je discutais avec lui. Mais je suis très heureux de pouvoir reconnaître du côté droit de l'enceinte de l'auditorium l'espace côté Bowman et du côté gauche l'espace de Denis Savard. Plus tard, et on ne le souhaite pas, on le souhaite vraiment le plus tard possible, lors de que ces gens nous quitterons vraisemblablement un jour. Peut-être qu'il y aura des élus en place qui voudront reconnaître officiellement cette fois-ci à travers la toponymie les lieux. Mais pour ce moment, la façon de le faire et tout en respectant toute la question de la toponymie et de l'affichage qui est des règles d'affichage qui sont exigées par la Ville de Montréal, nous ne pouvions pas inscrire sur l'immeuble, d'où le principe des pierres au sol. Pour les inquiétudes maintenant, pour les dommages, et ça reste que c'est des pierres. Hein? C'est des pierres, puis on parle de gravé dans la pierre, dans le roc. Alors, je ne suis pas très inquiet pour les dommages qui pourraient avoir lieu sur ces pierres. Il y a du gazon aussi alentour, d'une part. Au mieux, ça pourrait peut-être servir de banc pour les fumeurs ou les parents qui vont conduire leur enfant au hockey, ou au mieux, quelqu'un qui veut boire son Tim Hortons après en deux games. Alors, ça va rester pas mal à ce niveau-là. Mais bref, je suis content que ça puisse être passé à l'unanimité. J'ai très hâte d'inaugurer officiellement ce lieu qui est si cher aux Verdunois.
Ce lieu aussi qui est si cher, je pense à l'ensemble de mes collègues de l'arrondissement. C'est un travail qu'on a porté depuis le jour 1. Vous vous souvenez tous, on fait à peine 2-3 mois qu'on était là, puis on devait statuer sur l'auditorium de Verdun. Et ce que vous voyez, le résultat aujourd'hui, n'était pas du tout dans les propositions. Alors, je suis très fier que tous et chacun, nous avons contribué à faire et à redorer l'image de ce bâtiment unique et mythique pour l'histoire de Verdun, l'histoire du Québec tout entier. Merci. Monsieur Gagnon? J'aimerais apporter une petite précision. Je ne suis pas contre la commémoration de deux grands. Absolument, j'avais compris, Luc. Hein, il n'y a aucune rigueur là-dessus. C'est le médium que j'ai utilisé, j'ai des doutes sur la forme et la grandeur et le type de matériau utilisé. Oui, je suis entièrement d'accord. Je n'ai jamais douté de vous souvenir d'enfance dans ce cas-ci. Puis je pourrais dire que ça a même été partagé aussi certaines interrogations par M. Lheureux suite à des discussions. Mais heureusement, il a voté pour parce que j'avais vraiment besoin de lui. Alors, tout est bien qui finit bien. Merci. Monsieur le maire, s'il n'y a pas d'autres interventions. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, ça nous mènerait donc au point, M. Lheureux. Non, il parle tout seul souvent comme ça, inquiétez-vous pas, M. Gerbeau. Donc, ceci nous amènerait au point 70.02, donc qui est la levée de la séance, tout simplement. Alors, comme une tradition, M. Danny va proposer. J'aimerais ça qu'on continue, si possible. Oui, mais écoutez, on ne continuera pas, mais je vais quand même dire un petit mot juste avant la fin. Alors, proposé par M. Donné, je seconde. Et je voudrais prendre un petit moment pour vous dire que c'est le dernier conseil pour nous avant les vacances d'été. Vacances d'été qui seront fort probablement différentes pour chacun de nous. Certains continueront l'aventure de la politique, certains se retirent. Nous aurons des visions, des engagements différents. Mais sachez que il nous reste encore deux conseils, puisqu'on m'a corrigé tantôt, je pense, septembre-octobre. Ah oui, effectivement, deux conseils, moi, que ça passe vite. Alors, on va tous et chacun profiter des vacances d'été, mais je vous dirais aussi de profiter des vacances d'été, de profiter aussi de cette période où enfin nous avons du relâchement, enfin que nous sommes tous en zone verte et que nous pouvons regoûter aussi à une certaine liberté dans nos actions. Alors, on a traversé pas mal une période difficile, la société en général. Puis je pense que cet été, c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps en famille, mais de prendre du temps aussi pour revoir ce qu'on n'a pas vu depuis des mois, des années, dans certains cas, la famille éloignée et nos proches et nos amis qui nous manquent aussi. Alors, profitez des vacances, soyez prudents surtout, et surtout, soyez au rendez-vous. Il nous reste deux mandats, puis je vais m'efforcer, je vais tout faire, je m'engage profondément, et j'en rajoute, M. Lauzon, je fais appel à vous, et à la Ville de Montréal, et aussi au service le CCMU, pour pouvoir, avant la fin de ce mandat, revenir en conseil d'arrondissement en présence avec vous, pouvoir vous voir, puis pouvoir participer dans le fond de façon concrète. Vous nous manquez beaucoup, je parle pour moi, mais je pense que c'est partagé aussi par mes collègues. J'ai très hâte de vous voir, puis si on est tous d'accord, moi, septembre, là, ça serait ma vision de dire oui, on se reverra tous dans la salle du conseil d'arrondissement. Merci beaucoup, bonne vacances d'été. Merci. Bonsoir. Merci pour votre présence. Merci, au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.